Absolument, ça concerne la population, les personnels, et puis bien évidemment tout ce qui peut se passer autour de la région, puisque l'hôpital d'Auxerre est un hôpital pilote. Hein. Et là, de voir qu'effectivement il y a du monde, il y en aura certainement aussi encore plus pour parce que ça va faire plaisir. Oui, sur le parc. Ça, c'est important de se sentir soutenu par la population. On a besoin d'air, c'est clair. Parce que si la population est exclusive, ça va être très difficile, même pour l'intersyndicale, de monter nos communications. Ça va être difficile. Combien restera-t-il de lits après le passage de la tornade Copermo? Ce fameux comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins qui aujourd'hui ne nous parle plus de déficience, de performance, de restructuration et de fermeture de lits. Où vont les patients? Nous ne parlons plus de patientèle, mais de clientèle. Où irez-vous, certains citoyens et citoyennes? À Paris? À Dijon? Ou toujours de plus en plus loin? Alors stop! Il est temps de dire, ça suffit de nous asphyxier. Depuis des mois, comme vous avez pu le lire dans la presse, nous n'avons eu de cesse d'alerter les financeurs et les autorités de cette situation financière très préoccupante au centre hospitalier d'Auxerre. Cumulant à ce jour 26 millions de déficits, et plus récemment, nous avons alerté également les parlementaires de notre département. Nous avons bien été reçus le 26 avril dernier par le directeur de l'ARS. Thank you.
Sylvia, pour pas que Paul se jetait. Même si ma parole ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs. S'il vous plaît, est-ce que pour la plupart d'entre vous, vous avez les paroles de la chanson que nous avons en ce moment écrite pour cette marche ? Comment s'appelle chanson pour le Quand je suis trop mal, quand je suis trop naze, y'a ma conscience pour te lire à part. Quand l'État nous assomme, somme, et de ça nous ordonne, donne, de gérer nos patients et plutôt nos clients. Ah bah moi
Bah moi chanter mon bas. Et dans la boîte. Et moi, il y a un C'est la même apparemment. J'ai eu du mal. Ouais. Ça nous oblige comme ça à partir aussi parce que... Sur l'hôpital qui se battent non seulement pour la population mais pour les patients et pour le personnel. Il est vrai que c'est extrêmement difficile et compliqué comme disait ma collègue. Actuellement on vous donne rien, pas de moyens, pas d'argent, on ferme des lits, on ferme des services, c'est scandaleux. On a un gouvernement qui s'en tape, une ARS qui rigole. On a été à l'occasion plusieurs fois les rencontrer, on n'a jamais eu de réponse positive, jamais. Thank you.
qui rêves. Ici, nous battus, nous on marche et on sue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Plus un ne fait pas la santé, le social en déroute. Voilà bien plus un que partout, sur la route.